told me I'm your anchor. I told you you're my pole. Through the wind and fire, we try to hold on. We build this ship together, searching for a home. Despite the storm that hit us, we're still on board. Dancing in the moon. Salut à tous. Bon ben ça y est. Nous sommes toujours en Auvergne. Là on reprend la route tranquillement. On est parti ce matin du week-end du salon du véhicule d'aventure. Franchement on a passé un superbe week-end. C'était riche en partage, en conseils, franchement en tout. C'était en rencontres et tout. Vraiment c'était super cool. Vraiment des choses à refaire. Peut-être qu'ils referont le même l'année prochaine. Quasi sûr. Au même endroit. On a parlé avec le maire ce matin. Il est prêt à refaire ça l'année prochaine. Et sinon, ils font cette rencontre tous les ans vers le mois d'avril vers Nantes. Là, on prend tranquillement la route. On va s'arrêter faire quelques courses parce qu'on n'a plus de sciure. C'est malin ça, on n'a plus d'eau non plus. Donc, on va aller faire ça tranquillement. Et après, donc, on va retrouver Steph et Alex. On va les visiter un petit peu. On ne sait pas trop en fait. Soit un volcan, soit des fontaines pétrifiantes. Donc, on ne sait pas ce qu'on a vu. C'était fermé le lundi. C'est pas cool. Donc, à voir. Donc là, on prend la route tranquillou. Et puis, bah, on vous dit à plus tard alors. Salut, salut! Salut tout le monde! Coucou les bandits et coucou les autres! Salut à tous! Bon, bah là on se retrouve sur la route. On a quitté notre emplacement en pleine forêt pour aller visiter un volcan. Donc c'était le volcan de Lantéchi. Et en fait, on s'est levé et en fait. Ça drache. Ça drachait toute la nuit. Une grosse drache. Mais ouais, toute la nuit, un truc de. Donc on a trouvé autre chose et là on a essayé de trouver une source chaude à la Bourboule. Ça se trouve on va se baigner quoi. C'est un truc clair. De dingue. Donc on va voir ça quoi. Si c'est ok, on vous emmènera avec nous dans la source chaude. Autant vous dire que les enfants ils sont contents. C'est clair, ils ont dehors, bien préparé le maillot de bain. Il fait 7 degrés dehors. Ça pleut, ça caille. Et l'eau elle peut être à 40. À 40, ouais. Parce qu'il y a plusieurs étages apparemment. L'eau elle peut être à 40. Truc de dingue. On va voir ça, moi j'ai hâte, on arrive dans 9 minutes et le Sirix il fonctionne super bien. Ouais, on est parti à 90% et là ouais. on approche les 95%. Franchement, donc, nickel, tout est bien. Non. Bon, bah nos amis nous quittent. En tout cas, je les retrouve, ils seront déjà au Maroc. Ah voilà. Voilà, ils s'en vont bientôt au Maroc. Ouais. Et là, comme il pleut et tout avec les petits, ils sont déjà malades, donc ils veulent pas descendre jusqu'à la source chaude. Et ça se comprend. Donc du coup, on se retrouve quand, nous? Nous, on se retrouve... Quand est-ce qu'on va faire notre saut en parachute? Dès le retour du Maroc. Retour du Maroc. Ça va être en plein dans l'hiver. Et alors? Je sais pas. Non, ça... Allez, on sera en glaçon en bas. Ça saute? Tu peux sauter en plein hiver? Je sais pas. Toute l'année. Je sais pas. À voir. Donc et on pourra une connerie à faire cet hiver. Ouais, non, c'est clair. Nous, quand tu vas partir... D'ailleurs, pour un projet, nous recherchons des funny rollers, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Vous savez, c'était les petits skateboards à quatre roues avec un volant. Ils étaient verts et les roues étaient fluo-roses. Voilà. On recherche deux engins comme ça. Si vous avez ça dans un garage, merci de penser à nous. Et on ne peut pas les rendre. Ils seront fichus après. Voilà, c'est vraiment pour... Voilà, affaire à suivre. À bientôt. Prenez soin à de plus. Vous, bonne route, ouais, et puis aussi, bon séjour au Maroc et tout. Hein. Carrément. Bah, on va profiter du chaud et du soleil. Ouais, c'est clair. Nous, dès qu'on peut, on essaie de faire pareil. Hein. Là, il faut qu'on attende pour plein de raisons différentes. Papier, porte-moto, porte-vélo. Opération. Et après, c'est bon, opération. Voilà, et après, nous taillons. Voilà. Oh, Anaé, elle est triste parce qu'elle nous quitte. On se reverra bientôt, Anaé. Ouais, oui. Allez, gros bisous à vous. Bisous, et bon road trip. Ciao, bye bye. Biz. C'est bon, nous sommes prêts et on se met en route pour la source d'eau chaude. Je sais pas, c'est ça qu'on dit. C'est voilà, ça. On a pris des petites serviettes et tout. Franchement, truc de dingue. Et du coup, en fait, Steph et Alex ont dit allez, vas-y, viens, on y va avant de partir. Donc c'est bon, ils sont motivés, ils viennent, on y va tous ensemble. Et c'est trop cool. Voilà, allez, on se retrouve tout à l'heure. Ou voir pas. Si on va aller dans l'eau ou pas. Parce que là, ça caille un peu. Hein. J'avoue. Il fait 8 ou 9 degrés. Je sais pas. Dehors, ouais, il fait 9 degrés. Et l'eau, elle est à 38 degrés, au plus chaud. Je précise que toutes les vidéos vont être tournées avec mon téléphone portable parce que comme il pleut, il est étanche et puis comme il commence à se faire vieux, voilà, j'ai pas sorti les appareils et tout là, non.
Voilà, donc si le son n'est pas terrible ou si des fois la qualité vidéo n'est pas terrible, bah voilà, j'avais pas trop le choix. Donc je tiens à préciser que c'est un site assez controversé parce que les gens ne prennent pas soin des lieux et sûrement un jour ils vont tout casser, ils laisseront juste un petit robinet avec l'eau chaude qui sort ou alors ils feront quelque chose de payant et c'est bien dommage. Vous voyez, regardez, et à cause de ces gens-là, qui sont pas propres, qui laissent tout traîner, et ben, il y a encore un truc chouette et gratuit qui sera sans doute un jour fermé et je pense que c'est une question d'année, hein, dans peu de temps. Ils en parlent tous les ans, apparemment on a parlé avec les locaux, ils en parlent tous les ans de fermer ça parce que ben, il y en a ils font l'imbécile, il y en a ils laissent tout traîner et si un jour il y a un accident c'est les mairies qui vont être responsables. Donc du coup ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas prendre de risques, ils vont tout fermer. Voilà, ça c'est vraiment vraiment dommage, je tenais à le souligner. Et oui, nous nous retrouvons aujourd'hui au Guatemala, non? Non, en fait, on est juste en Auvergne. Regardez, il fait 10 degrés dehors et on est dans une source d'eau chaude. Regardez comme c'est beau. C'est belle la vie. Les enfants, c'est comment? Oh, trop, c'est trop bien. Après, il va falloir ressortir, hein. Non. On reste là combien de temps? Je sais pas, mais après on va faire ressortir. Bonne heure, j'aimerais bien. Ouais. Oh. Ça frappe.
Bon, et eh bien on a repris la route et voilà, on est garé ici, en Auvergne. On n'a pas fait beaucoup de kilomètres, j'étais fatigué, je vais faire une petite sieste. Et voilà, on est garé à côté d'un petit lac, j'avais trouvé ça sur Park Fortnite. Et en fait, normalement il y a tout un chemin pour passer, là-bas il y a plein de jeux, tout ça. Mais nous on ne passe pas, pas possible. J'ai essayé, mais non. Du coup on est passé là, bah, c'était un petit peu hard aussi, un tout petit chemin avec une grosse montée. J'ai mis les suspensions super haut et c'est passé à l'aise. Et là on est bien posé, vous voyez. On va passer la nuit ici, à mon avis on va super bien dormir, il n'y a pas un bruit, il n'y a personne. C'est trop bien. Et puis elle s'est mise dans l'eau, elle arrête pas de se mettre dans l'eau. Elle est où là? Regardez. Elle arrête pas. Hop, elle est repartie. Je sais pas comment elle fait, elle a pas froid. Oh, c'est dingue. Bonjour à tous. Salut. Voilà, ça y est, on repart de ce petit spot qui est assez sympa, hein. C'est dommage qu'on n'ait pas pu aller là-bas. Voilà le premier spot qu'on n'a pas pu faire à cause du gabarit du véhicule. Ouais, c'est juste parce qu'il y avait des branches. Ouais, c'est juste parce qu'il y avait des branches, hein, ça a pas été coupé. Là-bas, il y a un petit fourgon, il y avait des jeux, c'était au soleil, c'était bien. Et ben nous sommes restés dans l'ombre. C'est comme ça. Et là, Charlotte, elle va sortir le car parce que c'est un petit peu délicat, faut qu'elle mette en position haute et tout, vous allez voir. Allez, en route! On a 2-3 petites courses à faire et puis après on remonte tranquillement vers Limoges. De passer à la douloureuse, ça fait mal encore. 300 euros et on a fait avec 300 euros 686 km. Donc ça nous fait une moyenne de 30 litres au 100. En même temps, on a fait l'Auvergne, donc fallait pas espérer moins en faisant tout ce qu'on a fait. Les erreurs, les déviations, les montées, on a fait énormément de montées. Donc voilà, on a changé le filtre air, on a changé le filtre air et les filtres à gasoil. Peut-être que maintenant il va moins consommer. On les a changés vers la fin. Donc, mais j'avoue là, hein, c'est un rêve de vivre en bus. Ouais, c'est un rêve. Ça coûte cher aussi. Hein. Si ça commence à nous coûter plus cher qu'un crédit maison, je sais pas si ça serait valable. Je sais pas si ça reste valable. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous savez que nous sommes entièrement dans la transparence. Hein, chouchou? Et là, ça fait un peu mal aux fesses. Hein, regarde. Ouais. Bah là, normalement, notre budget gasoil, il est 300 euros. Et bah là, on en a mis 600. On aurait un truc qui consomme 10-12 litres, on mettrait 150 euros. Quoi, ouais, pour on peut plus pas de kilomètres. On ne peut pas tous rentrer. Il y a peut-être une solution. Non, il n'y en a pas. Si, il y a peut-être une solution. Non, il n'y en a pas. Regarde les nomades on the road. Oui, les mais nomades road. Ils sont 4. Et alors, nous, on prend un 4x4 un peu plus grand, on peut se mettre 6. Non. Et si? Non. Et si? Non. Une fourgonnette 4 roues motrices. Non. Avec 3 tentes de toit par-dessus. N'importe quoi. Allez, mais là, voilà. On va pas pouvoir voyager où on veut avec. J'en suis sûr. Moi, je suis honnête avec vous. Je pense que ça va être un frein pour notre aventure. À moins de gagner énormément de soupe tous les mois. On le savait. À un moment donné, ça va être un frein pour nos aventures. On le savait. Non, pas mais autant. Je pense que tu as mal calculé encore. Non, j'ai bien calculé. Non, pour bien calculer, il faudrait faire le plein. Ouais, mais non. Ouais, mais non. Voilà, allez, affaire à suivre. Bon, on s'est arrêté à Guéret parce que sur la route, on a vu un petit Action, on s'est dit on va s'arrêter. Et juste à côté, il y avait un Iveco. On s'est dit tiens, on va aller jeter un œil.
comme maintenant Renault a été repris par Iveco, enfin voilà, maintenant il faut plus s'adresser à Iveco que chez Renault Truck. Renault Truck qui dit si on n'a pas la pancarte Iveco Bus, ça sert à rien de venir vous adresser. Et encore, même donc si du coup, faut aller. Et comme en fait on avait un Renault Truck qui n'avait pas la pancarte Iveco Bus et qu'en fait on a vu un Iveco à côté, on a dit si on va aller à Iveco. Ouais, d'accord. Voilà. Et du donc coup, on peut essayer là, en fait, voir si c'est celui-là. Ouais, le gars super sympa. On manquait juste le filtre à air, on va mettre le bus en position. Il est énorme. Vous voyez déjà la taille du carton. Je pensais qu'il y allait en avoir plusieurs. Je pensais qu'il y en allait avoir plusieurs dans le carton, mais non, en fait, c'est vraiment. Je suis en train de lever le car. C'est un sacré fit. Et normalement, c'est celui-là. Il paraît quand même un peu gros. Il n'y avait pas plus gros quand même. Ah, il paraît quand même un peu gros celui-là. Non? Je sais pas, moi je l'ai jamais vu en fait. Quand je l'ai soufflé. Ah la vache! Il est énorme. Essaye de ne pas le salir. Ouais, hein. Je vais pas le salir, je vais voir. Je vais démonter ma petite plaque et on va voir tout de suite. Et on notera la référence, comme ça on saura exactement. Hein? La prochaine fois. Allez, c'est parti. On bricole. Ah, il est plus court celui-là. Il est plus court. Ouais. Ouais. Ah mince. Bon bah c'est pas grave, allez, on prend la référence, on prend ça en photo. Oh, nous sommes retournés voir le monsieur pour dire que c'était pas le bon filtre. Donc on lui a donné la vraie référence en démontant l'ancien. Et là ça va beaucoup plus vite. Et là il a dit oh, bah, j'en ai deux en stock. Trop bien, on prend les deux. Franchement là. Regardez, c'est un petit Iveco. Là, qui est au bord de la route, franchement c'est pas comme les gros Renault Trucks, ouais machin, et puis en fait ils ont rien. Sympa, et super sympa le gars, il s'est bah attendez je vais regarder ceci, cela, franchement on l'a un peu embêté avec toutes les références et tout. Regardez. Et franchement. Nouveau, ancien. Avec ça il va respirer. Vous voyez la différence? Il va gagner 100 chevaux avec ça. Au moins 200. Allez on remonte tout ça, puis on voit si on arrive à prendre 2,40 en hauteur. Donc franchement on est super content. En plus il nous a fait une petite remise et tout. Vraiment super cool, sans rien lui demander. Ça c'est génial. Pouce bleu, on a allez, un petit pouce bleu pour Jérémy. Un petit pouce bleu. Et pour le mécano. Oui, et pour le petit Iveco, là, franchement. Nickel. Ouais, vraiment super top. Service, et c'est à Iveco à Guéret. À Guéret dans le 23, ouais. Franchement très gentil. Ça, vous le faites au garage. C'est vrai, hein. il se frotte bien les mains. Bon, allez, je vais redonner l'ancien, et puis après, on y va. Allez, bisous. Nous sommes partis de notre petit emplacement, on était sur un petit stade de foot et bah c'est bon, on a été déposer les colis en meule et donc voilà, on voulait vous faire un petit rapport, non c'est pas un petit rapport, c'est quoi? Bah là en fait on a fait descendre les batteries jusqu'à 68% avec les machines ce matin et voilà. Tout. Et là on va rouler une heure, donc on vous dira en une heure combien on a réussi à recharger. En sachant qu'hier on était à 73% des batteries, on a roulé quoi, une heure et demie hier environ, et en fait on est arrivé, on était à 100%. Et pareil, on a eu de la flotte toute la route. Et j'ai le recul qui grince, celle de gauche. Ouais, bah toujours la même. Je la refasse. Donc bah, pour l'instant le Cyrix, on en est assez content. Donc la direction Châteauroux pour aller chercher le filtre qui manque. Et puis ça va être bon, acheter toute l'huile et on va pouvoir faire tous les changements de filtre et huile ce week-end. Allez. J'ai chié une vitesse. Ah bah c'est pour ça. J'étais c'est en 7 au lieu d'être en 5. Il arrête pas de dire que le bus il a pas de patate, mais en fait il arrête pas de chier ses vitesses. C'est bon, il est parti. Allez, on vous tient au jus pour l'autonomie. Allez, bisous, à tout à l'heure. Hey, chouchou, viens voir. Sinon on déménage un truc comme ça. Non? Mais une caisse?
Ah bah non, consommation, ça va être pire. Non, ça, ça va pas. Non, ça va pas, ça. Et si on prend ça, regarde. Un truc comme ça, regarde. Non ? Là, on peut passer partout. On prend une grosse caisse, tiens, sur la galerie, on met 3 tentes de toit. Et on peut voyager jusqu'au bout du monde. Non ? Chouchou ! Non ? T'es pas drôle. Avant, t'étais plus drôle que ça. T'es pas fofolle comme avant. T'es plus fofolle. Un peu moins. Regarde, c'est haut, n'empêche. Mais c'est dingue. Suspension à lame. Ok. Un peu comme on a vu tout à l'heure, en fait. Comme on a vu au salon. Et derrière, c'est comment ? Est-ce que c'est bien fichu ? Ça, c'est un petit poids lourd. Ça doit pas consommer trop, ça, non ? Regarde, c'est des tout petits ponts. C'est tout minuscule. C'est génial. C'est facile à bricoler. Et on met où nos affaires ? La douche, on la met où ? Et on vit avec rien. Regarde les Nomads Road. Ils m'ont ouvert les yeux, chouchou. Il n'y a pas besoin de tout ça pour voyager. Il n'y a pas besoin de tout ça. Nous, on n'a que 2 enfants en plus. Et 2 chiens. 2 enfants ? Bah oui, ils en ont 2. Nous, on en a 2 de plus. Ouais, bah super. Bah non, mais c'est pas non plus ça qui prend le plus de place. 500 euros par mois. Et alors ? Nous, on a un petit peu plus. On a la chance, t'imagines ? On sera les rois du pétrole avec allez, tout ça. On y va. Non ? Non mais par contre je pense que ça doit valoir une blinde ce truc là. Je sais pas si vous avez les prix mais ça doit valoir genre plus de 100 000 euros. Bah ouais le truc il est tout neuf, c'est tombé. Bon bah j'ai trouvé un emplacement pour ce soir près d'un étang et en fait j'avais pas vu que c'était des chemins de forêt et tout. On fait nos premiers sous-bois, bah là ça va c'est large mais tout à l'heure c'était serré. Ouais. Faut bien essayer. I played a waiting game. Where I waste my time. I let my dreams die young, 'cause I misread the signs. Salut à tous. Eh bien, on va finir ces petites séries de vidéos. Hey, beau gosse. Et on a dormi là, regardez, près d'un petit étang. Hop. C'est vraiment pas mal. Et en fait, on a mis 4 jours pour faire 350 km, c'est ça ? C'est pour ça que je disais, on va finir toutes ces petites séries de vidéos pour clôturer cette grosse vidéo. Et on va arriver ce soir chez Jean-Philippe. Voilà, pour faire la... Ou pas. Ou pas, ouais. Non, on arrive ce soir chez Jean-Philippe. Voilà, on va passer une petite soirée ensemble. Et puis... ce week-end, on essaiera, s'il fait beau, de faire la révision à deux. Allumette. Parce que c'est mieux à deux, hein, c'est plus sympa. Voilà, allez, on vous dit à tout à l'heure. Canada par la Russie en fait. C'est ça qu'ils vont faire les Nomads Road. Et ils vont passer le détroit de Bering en hiver parce que c'est gelé, tu peux rouler dessus. Moi je te le dis, mon vers les yeux chouchou. J'ai envie de voyager, mais super loin. Et du coup je me dis, est-ce qu'on pourra faire tout ça avec le bus ? Imaginons. On fait la France, Allemagne, Pologne, on redescend Ukraine, tout ça, Kazakhstan, on arrive en Chine, on peut même descendre jusqu'en Thaïlande. On peut visiter la Mongolie, on remonte en Russie, et là on arrive au Canada, Alaska, je veux dire Alaska, Canada, et là on redescend tout, les States, jusqu'en bas au Brésil. C'est un truc de dingue, c'est un voyage. Ça fait rêver. De plusieurs années. Mais il faut être honnête, vous savez que je suis honnête. Est-ce que tout ça, on pourra le faire avec un bus ? Bon, vous savez que y a plein de trucs qui se passent dans ma tête en ce moment. J'ai envie de tout lâcher pour partir en 4x4, faire le tour du monde, Et du coup, Charlotte, elle voulait pas. Et voilà, comme c'est une femme, du coup, maintenant, elle veut. J'ai offert juste une machine à pain. Et puis, elle est OK. On peut revendre le bus, acheter un 4x4. Trop génial.
Bon, et bien voilà, ça y est, nous sommes arrivés chez Jean-Philippe. On va l'attendre, il va rentrer du travail. Et demande, attaque tout ça. Voilà, go. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Donc, je vais vous dire au revoir. Prenez soin de vous. Gros bisous. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À dimanche, là, pour le live. Et voilà, la vidéo prochaine va vraiment porter sur la mécanique. Et vous allez voir toutes les révisions qu'on va faire dessus. Allez, gros bisous à tous. Bye bye. Prenez soin de vous. Mettez des petits pouces et abonnez-vous, n'oubliez pas. Bisous.